Sacré Tipeee rentre et gagne en survolant l'opposition qui lui était proposée. Un succès qui permet à Jonathan Plouganou de se rapprocher du titre de meilleur jockey d'obstacle sur l'ensemble de la saison 2013 avec 108 victoires. Son challenger David Cottin peut encore égaliser ce score s'il parvient à remporter les 4 courses qui lui restent à disputer et si dans le même temps, Jonathan Plouganou ne regagne pas dans cette ultime réunion de l'année. L'on spécule encore à cet instant pour ce classement, mais pour la jument lauréate de cette épreuve, la question est de savoir si son entraîneur l'alignera dans le Grand Cross de Pau. En effet, Sacré Tipeee était engagé dans la préparatoire, courue mercredi et remportée par Malbereau. Mais Emmanuel Clieu lui a préféré cet engagement ce samedi. Bien lui en a pris, plus revue depuis Fontainebleau où elle se classait 3e derrière Toutan Carmo. Dans le Grand Cross Bellifontain, Sacré Tipeee montre l'étendue de son talent. Elle devance de 10 longueurs, Touco, Quick Gold, Pouf de Rire et Sherlock, l'autre représentant d'Emmanuel Clieu. Une heure plus tard, David Cottin joue son titre, remplaçant Régis Midelin dans ce réclamé. La victoire est impérative pour la cravache d'or en titre. Nikos ne répond malheureusement pas à ses attentes. À cet instant, les jeux sont faits. Jonathan Plouganou est en or. La victoire dans cette course revient à Fumsec, nouveau venu dans l'effectif de Philippe Pelletier. Fumsec devance Evangelino, Kingsale et Nikos.